Le travail bien exécuté déjà est une prière en soi. Quand vous exécutez un travail avec plaisir, avec abnégation, avec le don de soi-même, dans l'esprit de bien faire, c'est déjà une prière. C'est déjà une prière. Une fois j'ai réalisé un batik, je vous compte ça en passant, une fois j'ai réalisé un batik pour un curé, c'était pour lui faire cadeau à l'occasion de son anniversaire. Le batik a très bien réussi. Et avant de remettre à ce curé, j'ai écrit une prière en bas de ce batik. J'ai écrit par exemple, je vous remercie Seigneur d'avoir fait de mes mains celle d'un artiste et qu'à travers mes œuvres, je te rends gloire. J'espère que c'est une prière. C'est une prière, c'est parce que c'est une tâche bien accomplie, c'est une œuvre qui a réussi et à travers cette œuvre, je rends gloire. Je m'appelle Léopold Kendlebeuro, je suis artiste en batik, décorateur. Je suis marié, père de 4 enfants. Je suis gendarme de profession, artiste en batik en plus. J'ai été formé dans un centre national, au Centre national des arts plastiques. J'ai été formé en batik, en pyrogravure, en sérigraphie. Et ça fait depuis 1970 que j'exerce le métier de batikier. Je vous dirai ceci, l'homme est un et un seul, indivisible, bien sûr. Mais de quel Léopold voulez-vous? De Léopold gendarme, qui exécute les services aux ordres de ses chefs en uniforme pour la protection des personnes et des biens. Ou alors de ce Léopold qui, à travers ses œuvres, devient le représentant en matière d'art, en matière de culture de ce Burkina. Ce Léopold qui, j'allais dire, comme tous les autres artistes, devient l'ambassadeur de la culture burkinabé. Pour moi, l'essentiel est de pouvoir bien remplir sa mission avec abnégation, avec dévouement et le don de soi-même. L'essentiel, c'est cela. Le batik, j'allais dire, c'est l'art de réserver à la cire un dessin qui apparaît clair sur un fond coloré après trempage du tissu dans un ou plusieurs bains de teinture. C'est au moment du trempage que la cire refroidit, craquelle et laisse passer la teinture, d'où le nom de batik. Par mon atelier pour apprendre à faire le batik. Ils sont installés chez eux et travaillent à leur propre compte. Des enfants qui ont voulu apprendre le batik. J'ai appris par exemple à faire le batik à mon cousin qui est installé à son propre compte. J'ai appris à faire le batik à plusieurs autres enfants qui sont installés à leur propre compte. Et mes enfants, je les initie au travail du batik, justement quand quelquefois j'ai quelques commandes à réaliser, je les associe afin qu'ils puissent eux aussi apprendre à faire le batik. Ma toute jeune fille de 14 ans, à qui j'ai appris à faire le dessin, qui a participé à la Semaine nationale de la culture 1990, elle a été primée au niveau provincial, au niveau régional et au niveau national.
sais que pour apprendre, pour travailler, bien travailler le batik, il faut bien apprendre, il faut s'appliquer. Et je ne crois pas à des divinités qui protègent le batikier ou qui puissent l'aider à réaliser un beau batik. Je pense que c'est le résultat du don de soi-même qui résulte de... qui résulte d'un bon travail, quoi, qui donne le bon batik. J'ai réalisé des œuvres d'art qui ont été exposées au ministère de l'Environnement. Des œuvres d'art exposées au niveau du musée national. Des œuvres d'art pour l'OVI, des œuvres d'art pour la cathédrale de Ouagadougou et dans d'autres établissements de la place. J'ai remporté 3 fois le Grand Prix national des arts, premier prix du batik. En 1986 à Bobo Dioulasso, en 1988 à Koudrou Réau et en 1990 encore à Bobo Dioulasso. Ces œuvres sont présentement exposées au niveau du Musée national. J'allais dire que j'ai aussi des œuvres d'art au niveau de la gendarmerie, mon lieu de service. J'ai eu une fois l'occasion de visiter un musée, le musée de l'Afrique centrale en Belgique, lors de ma visite récente en France et en Belgique. J'ai été très émerveillé. J'ai été très émerveillé de constater que cette richesse culturelle-là se trouve en Europe plus qu'elle se trouve en Afrique. Quel pays africain ou de l'Afrique de l'Ouest pourrait présenter un musée aussi important que ce que j'ai vu en Europe? Et je me suis dit, notre culture est beaucoup perçue par les autres, mieux vue par les autres que nous-mêmes. À partir de ce moment, j'ai eu le désir et l'envie d'être formé en tant qu'observateur de musée, en tant que conservateur de musée, parce que je nourris du désir et d'espoir de voir monter un jour un musée aussi important. Sinon, toutes ces œuvres, toute cette culture africaine, toute cette richesse culturelle africaine, il n'aura pas de sens tant que nous n'aurons pas à nous-mêmes construire un musée et l'entretenir, bien l'entretenir. C'est vrai que c'est la question que vous posez est très importante pour moi. Le désir d'être conservateur de musée m'anime beaucoup. Faire le batik me confère un certain plaisir, mais j'aimerais me faire une étiquette parmi les meilleurs artistes, parmi les bons artistes que je connais au Burkina et un peu en Afrique. Et c'est l'idée, je me fais cette idée d'inscrire mon nom parmi les artistes, parmi les meilleurs artistes.
Moi-même, je me réjouis d'avoir la force et le courage de peindre des choses réelles, des choses qu'on n'écoute même pas ou bien qu'on ne regarde pas. Mais moi, devant ma conscience, ce sont des choses vraies qui peuvent me faire vivre. Parce que pour moi, cette peinture, c'est-à-dire, l'art, c'est quelque chose qui réside dans la nature. Qui peut l'en extraire, le possède. Et je m'appelle Papa Alassane Diop. Je suis sénégalais. Et je suis né à Meki, à 25 km de Dakar. Alors, je suis enseignant dans le temps, quoi. J'étais instituteur de classe exceptionnelle. Mais déjà, j'étais un bon dessinateur. Je dessinais très bien étant enseignant. Et puis, j'écrivais bien. J'avais une très belle écriture. Parce qu'on me donnait toujours les diplômes à remplir et tout. J'ai été calligraphe. Bon, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas un artiste au lieu d'un enseignant? Sinon, bon, pour moi, la vie, c'est pas quelque chose de très compliqué, parce qu'il ne faut pas compliquer sa vie. Il faut savoir qui on est, tout simplement. C'est comme si tu étais au cinéma, tu viens, tu prends ta place, tu t'assois, c'est tout. Parce qu'on ne peut rien faire. Les choses, en quelque sorte, quoi. Ce sont des lois qui sont immuables et éternelles, les lois de Dieu. Donc même dans l'art là, on ne fait que le copier. Oui, parce que Dieu est l'artiste suprême. Oui. Tout ce qu'on fait, bon, c'est pour imiter. Tout simplement, dans la vie là aussi, bon, elle serait belle la vie. Enfin, l'humanité encore, elle serait meilleure. Si vraiment chacun voulait donner de soi-même aux autres une image aussi agréable. Mais ceci n'est pas possible. Donc le monde étant ce qu'il est et les hommes étant ce qu'ils sont, on est obligé de vivre. Mais il faut toujours être bon. Parce que pour moi, tout ce qui est peinture, tout ce qui est vie là, c'est la dégradation. Regarde, ici j'ai dégradé par exemple le blanc et le noir. Parce que, comme j'ai parlé d'univers, j'ai parlé de chaleur et tout, je me suis arrangé pour qu'il y ait de la chaleur sur mon tableau. C'est pourquoi je n'ai pas besoin d'employer plusieurs couleurs. Ici, je l'ai tout simplement fait le bleu, parce que c'était pour montrer que c'est la Terre qui est une des merveilles de l'univers. Et en ce moment, je ne peins pas avec trop de couleurs sur des tableaux pareils. Moi, je me considère comme artiste. On ne peut pas être riche à la fois. Quand on est chercheur, on néglige souvent certains détails dans la vie. Moi, je peins, je fais la peinture, si bien pour gagner ma vie aussi, mais pour faire passer aussi des messages. C'est très important. Donc, je suis artiste. Parce que l'artiste, c'est tout simplement l'individu qui essaie de lever tout simplement le voile qui s'interpose entre lui et sa propre conscience. Vous voyez. Par exemple, quand on regarde une montagne, bon, l'artiste, lui, qu'est-ce qu'il voit? C'est pas la forme qui l'intéresse, mais la vie invisible que dégage la montagne, peut-être. Voilà d'abord l'esprit artistique. C'est cet esprit-là qui m'habite. Et je gagne bien aussi mon pain dans la peinture. Le tableau, j'ai décidé de le peindre tout simplement parce que après avoir lu un livre de Roger Garaudy qui m'a inspiré et qui m'a poussé à peindre des tableaux pareils. Par exemple, c'est Appel au vivant qui m'a poussé à peindre ce tableau. Ce tableau ne représente pas grand-chose, mais si vous voyez par exemple ici, au coin du tableau, c'est la Terre qui est une des merveilles de l'univers. Vous voyez, le fond du tableau, j'ai voulu tout simplement peindre en quelque sorte l'univers qui, dans sa totalité, c'est-à-dire masse et énergie,
dominé par une force de dégradation de la chaleur en énergie. Donc, c'est ce qui m'a poussé à faire tout le fond du tableau. Être fier, ce n'est pas tellement important pour moi. Moi, ce qui est important dans la vie, c'est être bon. C'est-à-dire être intelligent. Quand on est intelligent, souvent, on est bon. C'est tout ce qui importe pour moi. Parce que la vie, elle n'est pas faite d'instants discontinus, je vous l'avais dit hier. Et un ensemble dans lequel, quand même, les parties sont solidaires les unes des autres. Être fier, c'est parce que demain, aujourd'hui, tu peux être fier, demain, tu ne le seras pas. Mais être bon, c'est pour toujours. C'est être intelligent, comme le disait Victor Hugo. Pour être bon, il faut être intelligent. Parce qu'avant de faire quelque chose, il faut toujours penser. Parce que l'action, avant d'être accomplie, dépend de l'individu. Mais après, quand l'action est accomplie, l'individu dépend de son action. Il faut toujours réfléchir, il faut penser, il faut avoir l'amour, il faut aimer l'autre. Ça, c'est mieux, parce que là, tu es aimé. Pour être bon, il faut être intelligent. Parce qu'avant de faire quelque chose, il faut toujours penser. Parce que l'action avant d'être accomplie dépend de l'individu. Mais après, quand l'action est accomplie, l'individu dépend de son action. Il faut toujours réfléchir, il faut penser, il faut avoir l'amour, il faut aimer l'autre. Ça, c'est mieux, parce que là, tu es aimé. Bon, ça m'a inspiré, comme je vous l'ai dit hier, quand j'ai lu la loi de la transformation, j'ai su que, bon, après Sadie Carnot, depuis 1824, que chaque transformation comportait un déficit que l'on aboutissait au terme du cycle. Alors, c'est pourquoi j'ai peint tout simplement un tableau comme ça, pour expliquer que vraiment, si... nous ne parvenons pas à établir de nouveaux rapports entre nous et la nature, plus tard il n'y aura rien. Oui. Parce que le progrès, ce n'est pas tout simplement parce qu'il faut voler vers le ciel, il faut aller vers la lune. Alors j'ai tout simplement peint le tableau pour parler de progrès et d'entropie. Parce que c'était tout simplement, parce que j'aime bien la verdure. C'est toujours pour rappeler à l'homme qu'il faut toujours de la verdure. Il faut toujours un respect entre l'homme et la nature. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi toujours le fond de mes tableaux, c'est vert. Je mets beaucoup d'arbres. Parce que sans les arbres aussi, la vie serait triste. Est-ce que vous voyez? Vous imaginez une maison sans fleurs quand même. On ne peut pas le comparer à une maison fleurie. Ça égale. C'est ça. C'est pourquoi l'UNICEF a choisi mon tableau. C'est pas parce que j'étais le meilleur peintre. Mais comme ici, il y avait une lutte contre la désertification et tout. Bon, moi, j'aime plutôt peindre ce qui est fleuri plutôt que ce qui est aride. Parce que là, tout le monde essaierait de planter des arbres pour que ça soit comme ça. Mais si tu commences par la tristesse, c'est pas la peine. Moi, je ne vois pas à quoi bon, par exemple, de peindre des enfants avec des ventres ballonnés, la malnutrition et tout là. Mais tout ça, c'est pour dénoncer quoi. C'était mieux de faire passer le message autrement. Et pourquoi l'UNICEF a choisi cette acte? À cause de tout ce qu'on fait sur la terre, vous voyez, on s'en fout des arbres à l'heure actuelle, on fait tout ce qu'on veut. Pourtant, c'est nous-mêmes qui tuons nos petits-enfants, parce que si on continue, c'est pourquoi le tableau, je l'ai intitulé les entropies. C'est-à-dire, c'est la croissance du désordre et de l'impuissance. La moi-même n'est pas le contraire de la vie. C'est-à-dire, moi-même, si je mourais à l'heure actuelle, j'ai laissé des œuvres qui vont faire de moi un immortel. Il y
y a certains messages que je fais passer sur l'étoile. Ouais. Donc moi je trouve que ma vie n'est pas perdue en quelque sorte, hein, parce que tout simplement, parce que je voudrais vivre longtemps comme les autres aussi. Mais je me détruis trop aussi dans la peinture, parce que je travaille trop. Ce qui me fait peur, peut-être, ce qui me fait peur actuellement, que ce ne soit pas aussi facile pour mes enfants que cela l'a été pour moi, car la vie a beaucoup changé. C'est seulement ça qui peut me faire peur. Sinon, il n'y a rien d'autre. Parce que je crois en Dieu. Et quand tu crois en Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Parce que Dieu est toujours à côté de toi. J'appelle Cham Abdou Koumba. Je suis visiteur diplômé depuis 1963 ici à Ouagadougou. Je suis sénégalais. J'ai pris le métier de visiteur avec mon père. Je suis né dans les visiteries. Alors je me suis déplacé depuis 1955. Je suis venu ici à Ouagadougou. Je m'ai installé un atelier de visiterie. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là, j'ai marié deux femmes. Oui, enfin. Je n'ai pas obligé, mais moi, j'ai né d'ici. C'était pas évident, mon mais moi, j'ai réussi. Mon père m'a pris par la main et m'a amené dans la bijouterie. Et je suis resté à côté de lui, de l'âge de 2 ans à l'âge de 10 ans. Il me donnait à faire tout le petit travail de bijouterie. Tout ce que je pouvais faire, il me le donnait. C'était comme ça avec mon père. Ça a été comme ça jusqu'à l'âge de 20 ans. Tout ce que je connais, tout ce que j'ai vu, c'est grâce à mon père. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris le métier. J'ai fait exactement la même chose avec mes enfants. Tous les enfants qui sont là, ils sont bijoutiers. Certains sont encore à l'école, ils n'ont pas fini leurs études, mais quand ils le voudront, ils pourront venir pour apprendre le métier. S'ils désirent faire autre chose, libre à eux, mais en tout cas, ils sont nés eux aussi dans la bijouterie, comme leur grand-père, comme leur père. Tous, on est bijoutiers. Mais comme je le répète, ils peuvent apprendre un autre métier. Ils sont libres de faire autre chose. Mais ils sont nés dans la bijouterie. Jamais ils ne pourront l'oublier. Et toujours, ce sera leur métier. Non, il n'y a pas de Dieu qui protège les bijoutiers. Quand tu es musulman,
Tu pries Dieu tous les jours. C'est seulement à ce moment-là que Dieu te protège. Mais Dieu ne montre jamais que tu es protégé. Comme par exemple un militaire qui protège son chef. Dieu nous protège parce qu'on est musulman. Vous ne le voyez jamais. Vous le priez. Et quand vous le priez correctement, Dieu vous protège. C'est tout. Sinon, il n'y a pas autre chose. Non, il n'y a pas de prière particulière avant de fabriquer les bijoux. On fait les prières pour Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a dit de prier. On prie seulement pour ça. Si on est en train de travailler, et si l'heure de prier arrive, je dis à tout le monde de se lever. Et tout le monde sort pour prier. Les enfants, moi-même. Le travail, lui, il est toujours là, présent. Il ne bougera pas. Le travail, il existait même avant nous, depuis 1000 ans. Donc, je peux dire aux enfants de laisser tomber le travail pour un moment, afin d'aller prier Dieu. Et ensuite, ils reviennent continuer le travail de l'or. Voilà. C'est seulement ça que je conseille à mes enfants. Et c'est aussi ça que je pratique. J'ai enseigné à beaucoup de Burkinabés, ici, à Ouaga. Des ouvriers qui maintenant possèdent leur propre atelier, qui ont aussi des magasins, qui sont mariés, ont des enfants, une maison. Tous ces jeunes auxquels j'ai enseigné la bijouterie, quand ils veulent se marier, c'est moi qu'ils viennent voir pour trouver une femme. Quand je l'ai trouvée, je les marie. Après, ils l'amènent dans la maison. C'est comme ça ici. Oui, j'ai aussi appris au Burkinabé, et pas seulement aux Sénégalais. Les jeunes qui ont vraiment envie d'apprendre le métier, ils viennent à l'atelier, vivent à la maison, lavent leurs habits, leurs assiettes. Et si je vois qu'ils ont vraiment un bon esprit, je leur apprends mon métier. Tous ceux à qui j'ai appris sont tous là, à Ouaga. Je peux tous vous les montrer, un par un. Ils sont bien installés, mariés et pères de plusieurs enfants. C'est pas pareil parce qu'artisan. Un artisan, c'est un homme qui construit, fabrique quelque chose, comme un maçon qui fabrique des briques pour construire une maison. Nous aussi, on fabrique des objets. L'artiste, c'est un type qui parle, ou qui danse, ou bien qui fait autre chose. C'est facile. Mais nous, on fabrique, on vend et les gens portent nos bijoux. Et on porte. Mes enfants, je leur ai appris le métier. C'est un beau métier, mais c'est un métier très compliqué. Il y a trop de dépenses. On gagne bien sa vie, mais il y a trop de risques. Parce que des fois, on te donne du travail et la personne ne paie pas. Par contre, si tu perds un gramme d'or, c'est elle qui se met en colère. Alors c'est tout ça qui rend notre vie difficile. Si tous les gens qui commandent un bijou le payaient correctement, il n'y aurait pas de problème. Mais toujours, il y a des problèmes. La personne vient, donne une avance, tu fais le bijou, elle ne peut plus finir de payer. Alors elle te cherche des histoires en te faisant croire qu'elle a tout payé. Mais nous savons toujours exactement ce qui a été donné comme argent. Il y a quelques années, je partais faire les foires au Ghana. Je suis allé là-bas 2 fois pour présenter mon travail et pour vendre mes bijoux. Mais depuis, j'ai arrêté de voyager de foire en foire. C'était la chambre de commerce qui m'avait conseillé d'y aller, ainsi que le ministre des Finances du moment. Nous sommes partis, nous avons gagné un premier prix et reçu un diplôme. À l'époque, nous représentions la Haute-Volta. Maintenant, vous savez que c'est devenu le Burkina Faso. Je préfère travailler l'or, parce que c'est mieux que l'argent. Si vous voulez qu'on travaille l'argent parce que vous n'aimez pas l'or, nous travaillerons l'argent. Par contre, il existe des gens qui ne veulent pas d'argent, qui n'aiment que l'or. Nous pouvons travailler les deux matières. L'or arrive directement du Burkina Faso. Pour l'obtenir, nous allons l'acheter dans les comptoirs officiels. Là-bas, on te fait un papier officiel pour pouvoir partir avec.
Puis tu rentres à l'atelier, tu fabriques ton bijou et tu le vends au client. Oui, oui, je suis très très fier. Parce que toute ma vie, toute ma belle vie, je l'ai faite avec la bijouterie. Je suis ravi de tout ça. Depuis l'âge de 3 ans, je suis dedans. Et j'ai seulement arrêté à 55 ans. Tout ce qui est là, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai fait, c'est grâce à la bijouterie. Tout ça est très bien pour moi et pour tous mes enfants. J'ai marié 2 femmes, acheté ma maison grâce à la bijouterie. J'ai une voiture dehors, une 504 Peugeot. C'est la bijouterie qui me l'a donnée. C'est pas en coupant du bois que j'aurais pu me payer tout ça. En plus, je n'ai pas de culture. Donc je suis très fier de mon métier. Je l'ai appris avec mon père, donné à mes enfants. C'est l'essentiel pour moi. Si mon père avait été un mauvais, jamais il n'aurait pu être bijoutier. Et jamais il n'aurait pu me transmettre sa passion. Mon père ne vivant plus actuellement, en étant fier, en aimant ce métier comme je l'aime, c'est à lui que je fais honneur. Madame Irbanga Nina sa félicité. J'ai 7 enfants. Mariée le 27 avril 1968. Le premier est à Bamako. Il se nomme Irbanga François Xavier. La deuxième que je vous ai montrée. Et troisième, il a passé le BPC. L'an passé, il n'a pas eu. 2 fois de BPC, il n'a pas eu. Le quatrième, la quatrième, elle fait la sixième. Cinquième, il fait la sixième aussi. Septième, elle est au CM1. Thank you.
Parce que c'est Dieu qui me les a donnés. Je ne les ai pas achetés avec de l'argent comme on achète n'importe quoi. C'est pas par force que je les ai eus. C'est Dieu seul qui me les a donnés. C'est Dieu qui m'a donné. Je suis fière de mes enfants. Je les apprends. Je leur apprends le tissage, mais comme ils vont tous à l'école, si nous ne sommes pas jeudi, samedi ou pendant les vacances, je ne peux rien leur enseigner. J'ai appris le tissage en 1969, mais pas avec ce type de métier. Le métier sur lequel j'ai appris était plus long. J'ai appris sur celui-là en 1984. C'est une femme qui m'a enseigné le tissage. J'allais chez elle, là-bas, puis après, j'ai commencé à tisser toute seule chez moi. En fait, la première fois que j'ai appris à tisser, c'est à Zignaré, à 30 km de Ouaga, chez des sœurs. Et c'est après que je suis allée chez cette femme. J'ai appris ce travail parce que je ne faisais rien de particulier. Et pour une femme, ne rien faire, c'est pas bien. Aussi, je peux aider mon mari, maintenant que je travaille le tissage. Je peux payer les condiments, les médicaments pour les enfants. Ce que je veux acheter maintenant, je le peux. Je suis contente car j'aide mon mari, j'aide mes enfants. Il était seul à travailler, mais maintenant je peux l'aider grâce au tissage. Si je gagne 500, 100 francs, c'est pour nous tous. C'est pas pour mon mari, c'est pas pour moi, c'est pour nous tous. C'est parce que mon mari est malade que je fais du tissage. Je ne pense qu'à une seule chose, aider mon mari grâce à ce travail. Oui, oui, on mesure avec le banc. Ce sont quatre bandes qui constituent un pagne. Mais c'est vrai, la mesure, c'est une longueur de banc. Je ne vends jamais au marché. La personne vient ici commander, je tisse le pagne et elle revient le chercher. Je ne tisse que sur commande. Si tu tisses des pagnes à l'avance, le prix qu'on va te proposer au marché ne paiera peut-être pas le prix du fil. C'est pourquoi je préfère que les gens commandent, moi je tisse et après ils paient. Le fil, je l'achète au marché. Je ne sais pas comment sont teints les fils. Je sais seulement que c'est à Koudougou. J'y suis allée qu'une fois. Le matin, je me lève tôt. Je fais la cuisine pour mon mari et mes enfants. Après ça, je commence à tisser. Le soir, je ramasse le fil et je fais rentrer le métier. Le lendemain, on repart pour la même chose. Il n'y a que le dimanche que je ne tisse pas. Je vais à l'église prier Dieu et je reviens me reposer. Mais dès le lundi matin, tout recommence. J'ai dû apprendre ce métier parce que je n'ai pas réussi à l'école. C'est seulement à cause de cela que je tisse. Si j'avais réussi à l'école, j'aurais pu continuer mes études là-bas. Mais tout le monde ne peut pas réussir à l'école. La moitié réussit, la moitié rate. Mais si tu gagnes dans tes études, tu gagnes un peu de toi aussi. Les enfants qui ne réussissent pas à l'école, je leur apprends le tissage. Ceux qui réussissent, ils n'ont qu'à partir là-bas terminer leurs études. Oui, je pense à Dieu. Oui, oui, je pense à Dieu. Le matin, je prie avant de sortir, pour le remercier, car c'est lui qui m'a mise au monde. Donc, il faut toujours prier avant de commencer le travail. Sans lui, on ne peut pas travailler. Oui, il faut beaucoup le prier. Pas seulement parce qu'on a péché, il faut lui demander pardon, lui demander ce qu'on va manger, et puis prier pour demain. Aujourd'hui, et puis vous priez pour demain encore, pour lui demander.
Maman est tout près de moi ici. Mais mon papa est décédé. Ma grand-mère et mon grand-père aussi sont décédés. Maman prépare le dolo. C'est une boisson alcoolisée africaine de nos campagnes. Moi-même, quand j'étais jeune fille, je fabriquais le dolo. Mais quand je me suis mariée, j'ai abandonné pour apprendre le tissage. Je préfère le tissage parce que je travaille seule, ici, chez moi. Peut-être que dans quelques années, si je suis fatiguée du tissage, je recommencerai à vendre du dolo. Je m'assiérai ici et j'attendrai de le vendre. Je m'appelle Georges. J'ai 20 ans. Je suis marié, père d'un enfant. J'ai toujours eu la fabrication des paniers comme activité. Il y a près de 13 ans que j'ai commencé à fabriquer les paniers. Et c'est une activité que mes parents pratiquaient déjà. C'est progressivement que j'ai commencé. On m'a d'abord appris à fabriquer le haut, le couvercle des paniers, avant de pouvoir confectionner un panier entier. Ce travail est très laborieux, parce que dans un premier temps, il faut aller chercher les herbes. Et là, il faut se protéger. Il faut se couvrir le nez, parce qu'il y a beaucoup de poussière, et on peut s'enrhumer. Il faut aussi faire très attention, car les herbes sont coupantes, et on peut se blesser. Ensuite, quand on revient de ce long déplacement, il faut au moins un jour de repos pour le surlendemain aller à la recherche des feuilles de ronier. Là-bas aussi, c'est pas aussi simple, parce qu'il faut monter dans l'arbre, faire tomber les feuilles, et une fois les feuilles coupées, il faut les transformer en lanière, et puis les rassembler en petites bottes pour pouvoir les ramener. Notre village a comme activité principale les cultures et l'agriculture. La fabrication des paniers est une activité secondaire qu'on a pendant la saison morte. Sinon, nous sommes agriculteurs. La vannerie, c'est après avoir fini les cultures en saison sèche. On l'amène comme une activité d'appoint.
pour avoir de quoi subvenir à certains besoins. Pour moi, un individu ne peut pas demeurer sans activité. Et dans ce sens, il est de mon devoir d'apprendre à mes enfants à savoir faire quelque chose, même s'ils n'ont pas pu obtenir d'autres compétences, puisque maintenant, il faut envoyer les enfants à l'école. Mais ce n'est pas évident qu'ils puissent réussir à l'école. Il faut alors qu'ils puissent se débrouiller dans la vie. C'est un devoir de leur transmettre, de leur apprendre ce métier qui m'a été donné par mes parents. Avant, c'était relativement facile, parce que c'était pas cher. Mais maintenant, on nous vend les arbres, le feuillage, proportionnellement au volume du panier que nous voulons fabriquer. Le prix est variable, et ça peut aller jusqu'à 1000 francs le feuillage. Une fois revenu au village, il faut rassembler le matériau. Ça, c'est au bout du quatrième jour, et commencer la fabrication du panier. Nous faisons des bandes avec des petites gerbes, lesquelles nous donnent la forme du panier. Ovale, rond, rectangulaire, ainsi de suite. Ces bandes, nous les attachons avec des lanières de couleur, en cousant la bande inférieure avec la bande supérieure. Non, il n'y a pas de légende, pas une histoire pour l'apprentissage, pour la fabrication des paniers. Seulement, ce dont je suis sûr, c'est que ce sont mes grands-parents, mes aïeux, qui ont introduit la fabrication des paniers ici. Eux aussi, lors de leur déplacement, ont découvert l'activité et ils ont pensé que cela pourrait leur servir, que cela pourrait leur aider à améliorer leurs conditions de vie. Voilà pourquoi ils l'ont introduit au village. Et que tout le monde l'a appris. Sinon, il n'y a pas une histoire proprement dite concernant cette activité au village. Moi, je suis croyant, et dès que je travaille, je demande la grâce de Dieu pour mener à bien cette activité. Sinon, il n'y a pas une divinité quelconque qu'on évoque avant d'entreprendre la fabrication des paniers. Mais tout simplement parce que je suis croyant, j'évoque Dieu pour qu'il bénisse mon travail. Les couleurs sont données à partir de teintures que nous mettons dans des marmites avec les lanières et que nous portons à ébullition. Nous faisons cuire les lanières pendant un certain temps et après, nous faisons les différents motifs. Mais les motifs se font simultanément par rapport aux couleurs. Quand nous voulons le mauve, nous mettons d'abord le mauve. Après, c'est la couleur neutre. En fait, la couleur neutre se place par rapport aux différentes couleurs. Tout se fait, se construit par rapport aux différentes couleurs. Globalement, je peux être fier de moi-même, parce que je me sens indépendant et j'arrive à subvenir à mes besoins. Mais d'autre part, je ne suis pas très satisfait, pas très content, parce que l'activité n'est pas facile. Il faut aller à une quinzaine de kilomètres pour avoir les matériaux, parce qu'il y en a deux gens. Il faut parfois aller à Zignaré, sinon au-delà, pour avoir les feuilles de relier. Il y a certains matériaux qu'on a gratuitement, il y en a d'autres qu'il faut acheter. Même s'il y a une certaine difficulté, j'en retire une certaine satisfaction morale.
parce que je n'ai jamais fabriqué un article sans le vendre, sans pouvoir le liquider au marché. Ça veut dire que mon activité marche bien, elle est rentable. Et rien que pour cela, je peux avouer que je suis fier. Généralement, nous faisons de gros paniers et le temps passé sur la fabrication de ces paniers varie selon le matériau utilisé. Cela peut varier de 3 à 5 jours. Et tout ce temps, durant lequel nous travaillons et durant lequel nous ne vendons rien en vannerie, j'éprouve beaucoup d'anxiété. L'anxiété parce que je ne sais vraiment pas si nous aurons assez d'argent pour vivre durant ces jours-là. Et aussi parce que je ne sais pas si mon travail, si le résultat de la vente de ce travail, va nous procurer assez d'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Oui, j'éprouve beaucoup d'anxiété, plus que tout autre sentiment.